Ce résumé vous est proposé par Nissan et Mastercard, sponsor de l'UEFA Champions League. Bien vu l'accélération avec toujours ces décrochages de Benzema. Benzema qui a le sou. Oh, ça va vite, ça, Vasquez. Et Valverde, non. Mendy. Kroos. Pouf! Pas mal. Super, non? Voilà. La manière avec laquelle ils ont amené tout ça, Marc. Souvent en décalant, c'est vrai, côté droit aussi, du côté du Real. On a le sentiment qu'ils savent qu'ils vont gagner et qu'ils voilà, ils doivent à un moment donné marquer, qu'ils vont le faire. Oui, avec une certaine forme de patience. Voilà, oui. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Mais là maintenant, voilà, tiens, ils savent qu'ils vont gagner, ils savent qu'ils vont encaisser surtout. Une situation tellement connue du côté du Real sur leur manière d'encaisser ses buts, sur ses phases de transition. Thuram, hein. Oui, Thuram qui est exceptionnel, je vous en parlais tout à l'heure. Hein. Valverde, voilà, on a du mal. Ça passe quand même. Ouf. Et là, c'est bon aussi. Oh, joli. Bien joué. Et Sommer. C'était pas la balle la plus compliquée pour arrêter, non, pour le gardien allemand, mais on parlait des combinaisons, celle-là était parfaite. Hein. Le petit décalage, c'est Valverde, hein, qui le décale ici, c'est vraiment subtilement joué. Personne. La reprise. Ouf! Est-ce que ça voudrait dire que c'est la soirée maudite? Quand, oui, on commence comme ça, ça, une mi-temps qu'on obtient avec un peu de chance, un coup de coin et qu'on frappe ensuite sur le poteau. Vinicius, c'est incroyable. Ça, c'est mieux, ça. Mendy qui passe. Ça a été touché, ça, c'est un coup de coin. Asensio, parfois, c'est la petite touchette, là, il aime bien. Oui. C'est vrai. Prenez un peu d'esthétisme, mais ce qu'il faut aussi, c'est l'efficacité. C'est vrai. Je ne suis pas sûr qu'on verra Eden Hazard ce soir. Oh non, vu les circonstances, à moins que. Il passe, hein. Oh là là, pourquoi il ne va pas à droite? Ah oui. Il y va, il y a du monde, il y a du danger. Voilà. Et il est hors-jeu. Oui. Il n'est pas hors-jeu? Je pense que Ramos est là, Marc. Ah bah dites-moi. Ouais. 2-0, le Real impuissant se fait prendre en contre, mais ils sont en train de se faire bouffer tout cru. Hein. Ouais. Mais il y a un parallèle à faire avec le premier but, c'est de nouveau une situation de contre. Mais regarde, allez, voilà comment, dans quelle situation ils doivent défendre. En étant fort à l'intérieur et finalement les couloirs complètement découverts. Il faut que ça vienne vite, en tout cas. Il faut que ça revienne vite du côté du Real. Mais en attendant, il n'y a pas de hors-jeu non plus. Voilà. Avec la troisième, non. C'était peut-être la balle de match qu'il avait là, Thuram, et que Courtois vient de sauver. Oui. Oh, elle est belle. Ah, oui. Et là, non. Un instant, j'y ai cru. Ouais. Mais enfin, de la justesse, parce que là, la passe de Benzema peut faire mieux, hein, Eden. Honnêtement, il peut faire mieux. C'est pas mal, ça. Mais ça, c'est, c'est pas sorti. Elle est dedans, quand même, avec Benzema. Ce ballon n'était pas sorti, là. Non. S'il n'est pas, 4 minutes 30. On y a cru parce que je crois que le centre, en fait, est encore manqué, Marc. De Valverde. Oui. Il est manqué, hein. Selon moi, il est manqué. Ils peuvent tous rester devant, hein, avec Varane, Ramos. Ils attendent. Eh, ça peut arriver, hein. Ce serait pas vraiment mérité pour le Borussia.
mais ils sont capables d'égaliser là maintenant, comme ici, tiens. Ah, avec, voilà. Ils sont capables d'égaliser avec Casemiro. Et à celui-là, incroyable. Zizou, il a quand même la patte de lapin incroyable, qu'il faut. Quoi. Incroyable. C'est assez dingue ce qui se passe. Au moment où on vous dit que ce ne serait pas mérité, Bardaf, il la met. Ce résumé vous a été proposé par Nissan et Mastercard, sponsor de l'UEFA Champions League.